Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacques Lambelizer. Un plaisir, une autre fois encore, pour entrer la KO pour nous présenter un programme dans l'encol haïtien. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité à concernant le pays d'Haïti, Conseil présidentiel transition qui pourrait le faire expérience présidence tout notre là, réuni à Conseil des ministres gouvernement démissionnaire pour entre autres reconduire membre Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Actualité dans la région Moyen-Orient, Israël exprime opposition jeudi devant décision Washington prend pour camper assistance militaire devant menace État hébreu pour mener une grosse opération dans ville Rafah. Et puis, aux États-Unis, manifestation étudiants pro-palestiniens a continué dans quelques campus universitaires. C'est pour ça, yo. Avec l'autre corps, nous allons développer pour vous dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actualité pénale d'abord dans le pays d'Haïti, côté que Conseil présidentiel transition qui sous route pour le faire une nouvelle expérience, une expérience présidence rotative ou bien tournante. Un bel te réuni à Conseil ministre gouvernement démissionnaire pour entre autres reconduire membre Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. C'est une parmi les décisions que reprend. Nous gagnons sous place Yves Manuel. Madame juge Cour supérieure des comptes à contentieux administratif yo renouvelé jusqu'à ce que remplacé yo conformément à la loi. Selon une décision qui a adopté en Conseil ministre Edgar Leblanc fils présidé à mercredi sous présidence Edgar Leblanc fils gouvernement renouvelé tout état urgence là sous pays d'Haïti pour un mois. Pendant Conseil ministre là, ministre commerce là Ricardin Saint-Jean nommé comme ministre intérieur pour un petit bout de temps. Décision ça fait suite à refi premier ministre à Ian Patrick Boisvert pour assumer responsabilité ça à cause volume travail li gen sou compte li actuellement dans ministère économie et finance. En plus décision ça yo, autorité yo renouvelé tout mandat commission nationale marché public yo. Pendant conseil ministre ça gen divers lot décision qui prend tant kou grand noir inondation frappé dans jeu qui saute passé là yo, disposition pour faire propter dans certaines zones dans région métropolitaine Port-au-Prince là et puis disposition pour 18 mai cap marqué 221 ans depuis drapeau a créé. Parallèlement conseil yo pa rivé siyen a mercredi an entente sous présidence sonant là ak majorité 5-7 là à cause présence pour quoi elle est là de Smith Augustin dans présidence sonant là. Nouvelle a tombé gambonnet dans matin jeudi an. Frisal Fonjean décidé se déplacer à Smith Augustin qui était voulu porter président Sonatlan dans CPTA à 5 présidents au lieu de 4 présidents Jean Saté décidé avant. Selon discussion qui en cours dans conseil présidentiel là, Edgar Leblanc fils a dû passer 5 mois dans tête conseil là, ensuite Smith Augustin puis Leslie Voltaire. Mais Gérald Gilles tape gain pour boucler président Sonatlan. Il capable seul bénéficier un mandat 6 mois de gouvernance. N'a souligné dans ça qui concernait processus choix premier ministre transition hein, plusieurs candidats déjà fait des propositions dans conseil là. D'ici semaine qu'a venir là, conseil là tarué tant main analyse dossier premier ministre Abio. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. On dit que grand pile réaction qui continue à tomber sous conseil présidentiel de transition et gain même courant qui toujours a demandé pour y aller dans cour de cassation. Cependant, gagnent divers représentants organisations dans Jérémy dans département Grand-Est qui bail avio sous conseil présidentiel là. Nous gain sous place Mackinson Charles. Depuis après décision, majorité membre dans conseil présidentiel la prend pour mettre Edgar Leblanc fils comme président conseil là. Discussion yo continue dans mitan membre conseil yo pour joindre une entente à crise qui gagne dans mitan conseil là. Coordonnateur organisation pour changement la vie dans Grand-Dans, Jean-Hérard Monsignac, estimé c'est une bataille pour pouvoir qu'a fait en dans conseil là au lieu conseiller yo régler affaire pays. Moi même constaté pas gain bataille pays à terre, c'est plus bataille pouvoir qui gagne à terre. En tant que moun kap mené bataille politique, en tant que agent de développement qui t'a besoin de développement fait en dedans pays ya, c'est comme ça moi même moi wel, moi gen plus bataille pouvoir que bataille pour résoudre problème pays. Plus loin, monsieur Monsignac m'a déconseillé ou mettez sous côté tout intérêt personnel pour accrocher à l'idée pour capable avancer à pays. La bataille kate a là, haïtien supposé vigilant. Si tout moun nèg ki nan conseil yo supposé vigilant pour mettre bataille pouvoir de côté. Mais pour faire tout ça, vous connaissez, pour entendre entre eux. Pendant que vous n'avez pas connu, vous n'avez ni OPL, vous n'avez ni Lavalas, vous n'avez ni Convergence, vous n'avez ni Makout, vous n'avez ni PHTK, mais pour vous connaître, vous êtes haïtien, et puis pour vous prendre disposition à l'haïtienne pour résoudre la crise. Parce que si le conseil a essayé de régler, soit vous avez fait la réponse, vous avez fait. Ou après, vous venez là, vous campez le conseil là, vous mettez un président, vous avez un premier ministre, vous avez fait des routes,
et puis qu'on y a là, même le dit en avant. Marie-Mie Duverger, spécialiste dans gouvernance éducative et planification numérique, en même temps consultant dans le réseau Combi de Femmes Grandance, estimé ou pas respecter quota femmes dans la question conseil présidentiel là, pendant l'imandé, intégration 50% femmes dans le gouvernement qui prend le monde là et représentation femmes dans tout niveau dans la question politique pays. Je dis, nous voyons comment vous exprimez dame, femme leader dans la gouvernance pays. Nous constatons le conseil présidentiel qui est 9 membres. Nous avons une seule femme pourtant qui n'a pas prendre décision. Nous disons que le conseil gouvernement pour aller monter là. Nous demandons que les femmes participent dans tout niveau. Et il faut que 50% de femmes qui ministrent, nous répétons encore. Il faut que 50% de femmes qui ministrent, les femmes leaders pour emmener nous. Pas quitter le passé nous l'embêtise, pas quitter le piétiner nous. Et choix si vous devez faire dans tout pays. Nous avons dit aux populations grandissantes après des temps, qui ça conseil à faire pour établir la sécurité dans le pays, pour une façon pour que nous soyons capables de circuler et entrer dans la capitale pays. Jean Saté Konye avant. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Creole. Et puis pendant ce temps, correspondant nous, Yves Manuel, so dit nous, il y a plusieurs personnes et plusieurs personnalités qui ont fait des paupières pour être capables de venir tourner Premier ministre parmi eux, M. Iswik Théophile. Nous sommes sur place en Port-au-Prince, où est-ce que ça? Groupe Mounsayou fait partie de plusieurs instituts organisationnels, parmi eux, organisation, développement et intégration moun marginalisé et Union nationale étudiants en Haïti, qui constituait secteur jeunesse haïtien, qui supportait M. Iswik Théophile, un membre équipe Montana, pour poste premier ministre, qui t'a dû remplacer officiellement Dr. Ariel Henry, d'après Lens Simonis, coordonnateur général secteur jeunesse haïtien. Nous faisons des propositions et nous avons accusé la réception. Nous avons nous là. Côté que vous dites, vous recevez document documents. Nous. Donc, nous déposons ensemble de 18 pièces. Nous sommes même, parce que vous êtes bloqué nous pour certificat de nationalité, nous sommes même allés avec carnet scolaire depuis première année jusqu'à philo. Nous allons aller avec procès verbal. De fin d'études li yo, yon façon pour ne pas dire mettre au fin pas haïtien parce que mettre au fin pour quoi j'aime faire même ces domaines mettre au fin pour quoi aller même ces domaines va c'est un vrai patriote, un patriote sensé, un vrai nationaliste, et nous besoin nan niveau ça pour aider jeunes yo, pour charrier, pour aider jeunes yo k'ap kouri kite pays ya, et puis pour charrier ensemble des revendications populaires yo. Bon côté Paul Saint-Just Wilkins, membre commission secteur jeunesse haïtien, a mandé conseil présidentiel transition agir vite à processus là pour capable débloquer situation en Haïti. Nous même au niveau secteur jeunesse haïtien, nous dit faut conseil présidentiel de transition ça commencer passer à l'action. Faut qu'on suspende faire dilatoire. Population li pas ka supporter encore. Moun ka viv dans abri provisoire yo pa ka supporter encore. C'est la famine, c'est insécurité alimentaire sous toute forme, c'est question corruption, c'est question chômage côté que des jeunes diplômés dans pays qui pas ka fonctionner, c'est question et fuite des valeurs, j'en t'a dit tout à l'heure, côté que nous gagne des valeurs intellectuelles qui obligé quitter pays là. Puis à chercher au mieux être dans le pays Chili, dans le pays Brésil, nous pas qu'à supporter encore. Secteur jeunesse là plaidé en faveur tout, mise en place organe action contrôle gouvernemental là au CAG pour capable éviter gaspillage dans l'argent à bien l'État haïtien. Wena Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Après, nous toujours dans Port-au-Prince pour nous parler de justice. Plusieurs employés dans le Sénat haïtien manifesté devant prison civile. Femme qui, dans fort dimanche, pour demander libération secrétaire général institution, Madame Marinelli Verpil-Broyer. Merci à Deauville-Mé, depuis Port-au-Prince. Selon employé protestataire, Madame Boye pas gagné rien pour dire ouais, dans détournement l'argent et matériel l'État. Finalement, yo dit arrêter Madame là pour corruption, mais qui est hautement négatif. Parce que Madame Boye a engagé le Sénat de la République à partir de mai 2023 à avril 2024. Juge là pour quoi attendre sous
dossier ça. Et c'est madame Boye qui t'a invité l'ISSC pour venir faire un rapport sous Sénat dans l'ancienne administration qui t'est passée. Mais nous-mêmes, présence, nous, c'est région madame Boye. Menez madame Boye la caille, vous l'avez reposé, vous l'avez remédié semaine prochaine pour le vaquer à toute occupation. Madame Boye, madame corruption. Là, c'est madame qui écrit ISSC. Comment faire celle-là arrêter? Madame n'a 11 mois, 9 jours. Madame n'a 11 mois, 9 jours, c'est. Et comme si ma photo plainte. Et puis tout le monde a ma photo plainte. Là, comment c'est quoi? Madame n'a tout lui-même. N'a pas un paquet de machines là-même. Il n'y a pas de problème dans la main. Madame n'a pas acquise. Automatiquement, il faut acquise. Il faut acquise madame. Il n'y a pas de problème avec le volet. Cependant, avocat qui a défendu madame Boye dans quatre dossiers, il fait qu'on a prêté un avis commissaire gouvernement pour madame Boye capable de quitter prison. Maître Lucien Joly a bail détail. Nous avons déposé une requête en main levée. Effectivement, le commissaire du gouvernement a rendu une conclusion afin que requête en main levée a agréé. Et le juge d'instruction a rendu une ordonnance et pour pouvoir procéder à la libération de madame Boye. Nous sommes pas devant la prison civile et des femmes d'Adelma et en attendant la libération de la dame Marie Nelly Verville-Boyer soit effectuée convenablement. Ça fait jusqu'à présent là pour libérer. Il y avait une erreur dans ordre de mise en liberté. Il y avait une erreur. Nous allons rectifier ça auprès du parquet de Port-au-Prince. N'a pas rappelé juge instructeur Merlin Bellabre t'a ordonné arrestation secrétaire général Sénat haïtien Marine Livière Pilboyer demain passé après le fin tendé dans cadre enquête ULCC sous quatre débit avec gestion machine dans Sénat. Cependant, dans une vidéo qui a circulé sur réseau, t'a montré madame Boyer qui a quitté prison sous applaudissement employé Sénat. Toutefois, avocat secrétaire général Sénat haïtien dit que les liens a prêté à la disposition de la justice. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour faire Roi Créole. Et puis toujours concernant le pays d'Haïti, il y a l'armée américaine qui déclarait hier mardi 8 mai à les commencer par retirer pour arriver en Haïti force multinationale que Kenya pral diriger pour contrecarrer activité gang qui la gué pays a dans une souffrance économique avec une crise humanitaire grave. Commandement sud États-Unis a coordonné plusieurs vols avions militaires américains qui atterrit dans aéroport international Toussaint Louverture d'après une note pour la presse qui sortit dans l'AMEA. Note la dit tout personnel ça pral travail ensemble avec dirigeants aéroport haïtien yo pour bay sécurité pour équipement avec l'autre matériel qui rive dans le pays d'Haïti. Mission ça a vin possible grâce à effort sans arrêter parti concerné haïtien yo qui a cherché kembe aéroport l'ouvri et puis qui tel fonctionner. Et puis d'après un contact que AFP te prend avec responsable haïtien et bien groupe Kenya yo ou bien contingent 200 policiers Kenya a gain pour arriver 23 mai 2024 dans le pays d'Haïti ou sous VO à créole ou suivre programme dans langue créole haïtien. Ou toujours souvenez-vous à créole, ou suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être choisi nous pour informer. Et qu'on y a, nous parlons d'actualité internationale là. Nous parlons de la région Moyen-Orient, côté que gain toujours gagné. Et actualité, eh bien, Israël fait que objection à annonce États-Unis fait pour deal la suspendre livraison Zambali si l'y menait vraiment opération dans Rafah. Jean-Robert Philippe a suivi pour nous. Jean-Robert, médias américains ont rapporté que Israël gagnait à réfléchi en pile devant pression que Washington a fait souler concernant opération, gros opération que le voulait mener dans Rafah. Alors effectivement, Jacques Nondia, c'est ambassadeur israélien aux États-Unis qui fait annonce, là, qui dit que Israël fait objection avec déclaration États-Unis fait pour dire la suspendre aux armes pour opérer sur la mener l'autre bois.
Donc, je dis que d'abord, je connais gens que États-Unis supportent pendant la guerre et que pour eux-mêmes, c'est une surprise parce que pas d'attendre avec une déclaration pareille. Donc, guerre, en fait, cabinet guerre et israélien. En fait, si on pas réuni déjà, on pour réunir justement pour réévaluer le dossier, réévaluer la présence même dans l'affaire, une façon pour être dans qui mesure capable. Et plaire aux États-Unis pour que les États-Unis ne prennent pas une décision, ils disent qu'il n'est pas bon pour eux. Dans ce qui semblait augmentation de pression dans la guerre Israël menée dans le territoire Gaza, l'administration Biden a suspendu temporairement la livraison d'armes pour Israël. Annonce a fait dans mon manque qui est sauté sous plan nation hébraïque pour étendre l'opération militaire la menée dans la ville Rafah. Une décision que les États-Unis n'ont pas supportée. Mois avril passé, l'administration Biden a averti que les États-Unis ont supporté la guerre Israël là, à moins que les franchis étapes concrètes pour protéger les civils. Avertissement ça n'a pas empêché Israël de lancer une opération militaire dans la ville Rafah, partie sud territoire Gaza, à côté de plus de 1 million de monde pour un refuge. Mercredi 8 mai, le ministre de la Défense états-unien, Lord Austin, a fait annoncer là. Currently reviewing some near-term security assistance shipments. Actuellement, on a prévu quelques livraisons d'assistance à court terme que n'a pas Israël dans le contexte dernier événement qui a passé dans la ville Rafah. C'est la première fois depuis l'attaque 7 octobre, militant Hamas a été lancé sur Israël, États-Unis mettait en question la livraison d'armes à bas Israël pour aider le gourmet avec militant Hamas. Le groupe d'Azumé a longtemps depuis a demandé aux États-Unis suspendre le transfert des armes à Israël, il a accusé cap utilisé yo en violation avec loi humanitaire. Membre progressiste parti démocrate là dans le Congrès américain a accueilli suspension mais républicain yo tant Lindsey Graham critiqué. You want to micromanage the war? You know, we dropped two atomic bombs. Les États-Unis ont lâché deux bombes atomiques sur Hiroshima avec Nagasaki au Japon après attaque Pearl Harbor. Est-ce que gen moun aux États-Unis ça te bail problème? Mais les Américains ont rapporté semblé Israël a réfléchi à une opération menée dans la ville Rafah après annonce des États-Unis. Pour une fois, les États-Unis ont considéré faire une pause sur livraison des armes, c'est l'Israël qui a presque pris une décision sur Rafah, d'après une responsable replacée administration. Étant donné que Israël n'a pas pris en considération totalement souci des États-Unis gagnés, eh bien, l'administration a décidé, semaine passée, à camper sous livraison des armes là-bas Israël. Joseph Philippe, VOA Creole, Washington. Et bien, après, toujours dans un dossier qui a rapport avec la guerre Israël-Hamas, il y a deux membres du Congrès américain qui devaient porter support aux étudiants qui ont manifesté en faveur de Palestine dans Georgetown University après que la police a mis étudiants dehors dans le camp sous campus de l'école et ont arrêté plusieurs douzaines là-dedans. Valérie Saint-Louis, depuis New York. Hier mercredi 8 mai, deux membres Congrès américain, qui sont deux démocrates progressistes, ont vint porter support et mettaient tête ensemble avec un groupe étudiant université George Washington pour dénoncer action la police là qui était déblayé un camp étudiant qui était en battante sous campus université a et arrêté plusieurs douzaines manifestants pro-palestiniens. Sous marche escalier Capitole américain, député Cory Bush ensemble avec représentant Rachida Tlaib, qui est première femme palestinienne américaine en Congrès, te prend la parole en faveur étudiants manifestants pro-palestiniens. Représentant démocrate État Missouri, député Cory Bush, t'a dit: Students are protesting all across the country because they believe our government. Élèves ont protesté tout partout dans le pays parce que yo croient que gouvernement nous a échoué. Mais ils pas reconnaître que tout le monde c'est humain. Il a protesté, manifesté parce que yo pas d'accord avec silence et complicité gouvernement nous a sous la mort au moins 35 000 Palestiniens. Yo protesté contre complicité gouvernement nous a dans un génocide, une crise humanitaire à grand groupe maladie avec l'autre souffrance. Représentant Rachid Atlaib, te prend microphone nan li te lancé slogan. Gardez ça, élève ça yo a demandé pour sauver la vie, quelle que soit la foi ou soit ethnicité. Moi senti ça c'est yon bagaille que yo complètement ignoré. Pour que ça yo de yo là? C'est peut-être ça nous fier pour nous servir à position nous comme élu pour nous porter voix yo aller, pour nous tout pas oublier pour qui ça gain cran actante et pour qui ça gain mouvement ça yo à travers pays ça. Kali c'est yon élève dans George Washington University. I've watched my fellow students, my close friends
Moi te wè camarade étudiant moi yo, zami proche moi yo. La police te frité yo à gaz. Yo te rache foulahi habio nan kou yo, jete yo à terre. Yo te maré men yo sou chaise roulante yo. Yo te frappé tête yo contre chaise bicyclette yo tellement fort que lunette yo crasé. Force police yo a fait ça, moi certain c'est parce que yo wè que Rafa toujours pas ko envahi. Myriam li même c'est un élève juif dans George Washington University. While our universities in D.C. have been subject to pendant que l'université New York dans Washington D.C. yo te sibi brutalité, pa gen yon seul université qui rete campé dans Gaza. Mouataz Salim, yon étudiant palestinien américain qui a vécu aux États-Unis depuis 10 l'année, li te prend la parole tout lui-même, el te dit: "You shut down our encampment. Sure. Well done. Ou fè mèk an nou an. Bon travail. Ou nya lise yon la cour ki pa gen anyen la dan. George Washington University ou bien fè lui, président Hélène Gamberg. Ou fait bien pas vrai ou détruit un bel espace communauté qui était bâti sous l'amour. Nous fait craser quand nous avec violence, pas gain problème. N'a retourner. Moi promets tout n'a retourner pirade et n'a ouais libération Palestine. Moi promets tout ça. Étudiant palestinien américain Mouataz Salim te dit que il perdu même familiaux dans la guerre dans Gaza. Il promet étudiant que l'a retourner continuer manifestation yo contre condition yo dans Gaza. Pendant à peu près des semaines dans camp yo sous campus George Washington University, ambiance était très tranquille. La police est débarquée hier mercredi a écrasé camp yo dans la nuit là. Et yo arrêté 33 étudiants. Administration George Washington University a averti étudiants yo que te doit suspendre continuer faire campement ak tenture sous la cour universitaire. Manifestants qui te porté pancarte qui dit libérer Palestine ak retirer men nou sous Rafa, yo te marché, yo t'al campé devant kay président universitaire, madame Hélène Greenberg, en dedans l'école là dans la veille dans mardi soir. Depuis date 18 avril, environ 2800 moun te joignent arrestation yo sous 50 différents campus universités. Un chiffre qui basé sur rapport avec déclaration université à agence qui fait respecter la loi dans pays a te bay pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis. Merci Valerio Saint-Louis, n'a prêté toujours ici aux États-Unis, ancien président républicain Donald Trump t'est retourné jeudi encore dans tribunal dans cadre procès sous silence l'était acheté et dans cadre relation amoureuse bouboutage qu'il t'a gagné avec Stormy Daniels qui c'est yon et vedette porno. Dans moment l'étape entrée dans tribunal là, il t'a fait connaître que il prend un gros recours par rapport à interdiction pour l'équipe constitutionnelle pour pas dit rien sous témoin avec jury pour le kembe et silence li. Dans même occasion, il déclarait que attitude président Joe Biden vis-à-vis Israël c'est un scandale. Et lui même dit si un monde juif t'a voté pour Biden, c'est ta pion honte. Li abandonné Israël, li fait un mauvais bagaille. Fondi que Stormy Daniels qui dans centre procès historique ça, t'est retourné tout dans tribunal après il était passé environ 5 heures mardi qui saute passé là. Côté que l'État fait un paquet de déclarations, un paquet de témoignages, un paquet de révélations sous relations sexuelles l'été gain avec ancien président et gain avocat ancien président qui dit que son fille tête n'est pas droite, son fille qui voulait à tout prix que ancien président allait dans prison. Et puis nous parlons Amérique latine, élection avant l'heure dans pays Mexique, côté même prisonnier qui peut juger capable de voter. Gentil Augustin Junior. Pour première fois, prisonnier qui peut juger dans prison Mexique, t'es voté dans élection avant l'air pour président, à hier mercredi 8 mai 2024 là, dans un centre détention côté yo fermé. Nous juste espérer que yo respecte parole yo, plus que tout l'autre bagaille, pour la vie qui vient pi bon pour nous-mêmes ak fami nou yo. Prisonnier capitaine jugement ou soit condamnation yo te commencé voter depuis lundi 6 mai 2024 là dans élection présidentielle Mexique dans prison yo yon première fois pour nation Amérique latine. Para mí el mensaje más importante es decirle que message qui pi important c'est di yo comme yon autorité électorale que nous reconnaît droit yo parce que yo c'est moun ki poko jugé. Ça veut dire yo poko condamné. Qui donc yo toujours gen droit vote politique en vigueur yo. Boîte vote yo te déposé sous table dans auditorium dans yon prison garçon dans ville Mexique pour ce prisonnier yo te marqué ak lan ki pa ka efface pour montrer participation yo bien bonnet dans élection de jeyan. Es muy importante garantizarles que su voto. Li très important pour nous garantir que vote yo jodi a. Personne pa pral konnen et puis yo pral compter ak secret. Même précaution ak res vote moun ki pa nan prison yo. Ça c'est yon matin historique. Pas seulement dans ville Mexique, mais à travers pays. Dans même prison messieurs yo dans nord ville Mexique,
354 nan 1862 prisonniers te joine autorisation voter après yon tribunal électoral te décidé nan l'année 2019 que prisonniers yo ki pa condamné yo gen droit voter. D'après gouvernement, à peu près 31 000 prisonniers nan pays ya, environ 13% nan total la ki plus passe 230 000 prisonniers te rempli conditions pour voter. Institut électoral national Mexique la te déployé 81 bureaux vote nan prison Lio sorti lundi 6 mai pour rive 13 mai 2024 là les votes avant les yo pral fini nan élection de juin yo mexicain yo pral gen pour éli yon président 128 sénateurs ak 500 députés Gentil Augustin Junior VOA Creole Washington. Merci Gentil Augustin Junior. N'a pral retourner dans pays d'Haïti côté que gon sujet qui dans centre actualité à ces questions canal là avec toute suspicion qui gagne avec rapport qui sorti et puis surtout avec inondation qui te gagne dernièrement là. Nous pral rejoindre correspondant nous Jodley Junior Saint-Ville qui lui-même et depuis lundi te fait yon chit attendé sous question ça. La pluie cap tombé depuis week-end passé a s'arrêté presque sur tout pays a la cause rivière massacre descend ak en pile force ça li pas fait gros dégâts dans canal là sinon yon porte li décollé dans bassin rétention sans li pas représenter gros problème pour fonctionnement canal là selon ingénieur Loubens Gilles à Cléo Mendoville qui dit yo fier pour travail yo faire pendant yo considérer ça qui passé a tant qu'yon test sur canal là et beaucoup de panneaux c'est déjà fier de travail non on est confiant dans le travail que nous faisons. Ingénieur Cléo Relim il dit ingénieur mais il dit que il y a débordé et que travail nous est caché donc puis je me plus proche et puis sous peu me retourner il n'a dit que son si palais derrière là doit arriver sur plateforme ça doit monter à plus de 5 mètres de hauteur donc lorsque doit monter nous mêmes comme ingénieur nous pas piquer du tout parce que nous sommes confiants dans le travail que nous faisons. C'est peut-être que riverain yo avec inquiétude que de l'eau a débordé sur terrain naturel là qui t'inquiète. Mais nous même côté pas nous c'était déjà OK. Donc encore une fois, l'eau a monté, test l'en fait, c'est confirmé, mais nous même côté pas nous c'était déjà OK. Maintenant là nous avons fait calcul et là nous avons prédimensionné ouvrage à contrainte massacre parce que massacre côté à peu près 400 à 500 mètres qui devait passer côté. Nous t'ai assuré nous bel et bien pour ouvrage nous même là nous faire de résister à contre force massacre. Ça veut dire c'est ça que nous fait toute mise en œuvre tant que gabionage. Malgré test sous canal la réussi, selon des ingénieurs, Cléo Mendoville et Loubens Gilles, gagné yon menace quand même sous tête canal là, qui poko fini net. Et yon kwe, fini ak travail yon journée jodia, c'est yon urgence. Maintenant, yon inquiétude que nous ka partage avec tout le monde, parce que c'est visible, c'est en amont là, ou ta gade pi là, pour que nous te fait déviation, pour te travailler dans l'imineur rivière là, qui est exactement en dans rivière là. En amont et en aval, nous avons ciselé le terrain naturel là pour pouvoir te dévier. Mais à force que y a un problème moyen, nous allons finir de faire le travail là. Lorsque nous devons monter, les traverser. Et comme si je regarde mieux de ce terrain que je viens face là, il va être comme une sorte d'île qui est mis dans la rivière là. Donc c'est seule inquiétude ça. C'est ça qui ça. Donc il y a nécessité pour nous finir avec lui. Non, voilà, c'est une obligation même. Déjà, ingénieur a annoncé travail pour le reprendre. Oui, super, aussitôt que rivière la descente, c'est sur certains comités. Nous-mêmes, comme ingénieurs, nous sommes déjà disponibles. Dans ce comité qui va mettre matériel et matériel à disponibilité nous pour nous avancer. Jodley Junior Saint-Ville, Debbie Wanamet, au VOA Creole. Merci Jodley, il y a un autre aspect encore sous dossier ça que n'ap gen pour n'aborder donc n'ap gen pour nous retrouver encore Jodley Junior Saint-Ville toujours sous question ça. Nous pratiquement arrivé dans fin programme mes amis hier les concerts c'était tête chargée. Me pense à Robertson Alphonse nèg qui remet Real Madrid jusqu'au fait mal. Hier c'est un gros match fifé parce que les matchs a presque fini nous Real Madrid pas trop loin vous le dit et puis finalement gen moun qui dit expérience grand moun nan c'est dans tête li a parlé de Carlo Ancelotti qui a entraîné Real Madrid, donc Real Madrid qualifié pour et finale là, c'est à Dublin le 1er juin, la gain pour jouer contre Borussia Dortmund, donc c'est l'Espagne contre l'Allemagne dans une finale qui promet en pile bien que Real Madrid avec Bayern de Munich est en finale avant la lettre. Mes amis, merci d'être que nous avons choisi VOA Creole pour informer vous. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et puis un gros merci à toute équipe et solide là en parlant de Nelson, de Jean-Marc Hervé Abella et puis de Gentil Augustin Junior. Moi c'est Jacques Lembélisère. Bonsoir et à demain.
Moi je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention, merci pour fidélité ou patience. Sous moi parler m'a quitter ou n'bra papa bon Dieu parce que c'est lui même seul qui est capable protéger moi la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas me c'est Foucault. Rendez-vous cassé demain matin 7h. Bisous bisous, one love.